ces 342 députés qui ont pris part au vote. 337 ont voté oui, 3 ont voté non, 2 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture.